Et donc, ce n'est pas des escaliers, mais bien des escalators. Je suis à nouveau à la gare, car aujourd'hui, je vais à Annecy pour le festival de l'animation. Lors de mon dernier tuto, où je vous expliquais comment prendre le train, beaucoup se sont plaints parce que je ne disais pas qu'il fallait valider ses billets avant de rentrer dans le train. Je m'en excuse, mais j'avais l'impression que ça coulait de source. Putain! Mon train est en train d'arriver à Annecy. Et là, un mec va m'attendre avec une pancarte. Je vous dis pas. En tout cas, si je suis à Annecy, c'est pour un gros événement. Et demain, je rencontre Brad Bird pour voir en avant-première Les Indestructibles 2. Et d'autres petits trucs que je vais essayer de filmer. Plein de surprises, finalement. Je vous laisse, je dois sortir des toilettes. Je crois que c'est moi. Vous êtes Disney ? Davy Maurier pour Disney. C'est vous. C'est moi. C'est moi. Ouais. Ah bah super. Je sais pas si c'est joli ou si c'est un peu trop. J'ai l'impression que c'est un peu trop quand même. Je suis là. Mm-hmm. Bon. Alors déjà, une accréditation au festival d'Annecy, c'est bien. Mais alors ça le fait ou pas? Ça le fait ou pas? Eh ben ça le fait. Moi je dis que ça le fait. Yeah! C'est dans cet hôtel, à Annecy, invité par Disney, où j'ai la révélation, j'ai envie de faire plus de dessins animés dans ma vie. Je vais continuer. Ouais. Sauf ça. Ça c'est vraiment dégueulasse. Donc voici où je dors pendant 2 jours. Voilà. Ça va quoi. Ah, on peut faire une jolie vue comme ça. Annecy, festival. Ouais, c'est beau. C'est quand c'est pas une photo, c'est une vidéo. Voilà. Je crois que ces gens sont décédés. Ils ne bougent pas depuis plusieurs minutes. Ah oui, hier soir, je vous ai dit, on voit un peu le lac sur le côté de ma chambre. Et en fait, ce matin, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai une petite vue sympa sur le lac d'Annecy, quoi. Et ces gens qui ne bougent pas. Pourquoi est-ce que je suis à Annecy invité par Disney? Eh bien, en fait, c'est le Disney Art Challenge tous les ans, depuis 7 ans maintenant. Disney choisit des dessinateurs français, des étudiants d'écoles, souvent c'est les Gobelins ou Lissa ou des écoles à Angoulême, enfin des choses comme ça. Il y a un thème, cette année le thème c'était le quotidien des super-héros. Les étudiants envoyaient des dessins, il y a eu plus de 300 dessins. Je faisais partie du jury avec Alexis Briclot par exemple. On a regardé les 300 dessins, on en a choisi 20, ensuite on a fait une réu avec tous les jurys et au bout d'un moment on en a sorti 10 qu'on a envoyé aux États-Unis. Et là Brad Bird, le créateur des Indestructibles et le réalisateur de Ratatouille, a choisi 3 dessins et aujourd'hui on a remis à 3 étudiants français leur prix. Je suis avec une partie du jury. Coucou. Ça c'est l'autre partie. Coucou. Et les autres sont sur scène mais je peux pas les montrer. Spoil, un des dessins gagnants est déjà diffusé. Waouh. En plus je l'avais déjà vu. Alors la tradition à Annecy c'est de jeter des avions en papier pour qu'ils atterrissent sur la scène là. Sauf que je suis entre là et la scène et je me suis mangé un avion en pleine tête. Voilà. C'est la nouvelle tradition. Mais... Merci les gens. Je m'applaudis. S'il arrive sur la scène. Ouais. C'est avec un grand plaisir que nous commençons cette belle journée par la cérémonie de remise des prix de la 6e édition du Disney Art Challenge. On a également Davy Maurier. Ainsi que la web-série éponyme. C'est ça. C'est un beau titre éponyme pour une web-série.
le jury a sélectionné vos 10 dessins et nous les avons envoyés chez Pixar au réalisateur de Indestructible 2 qui s'appelle Brad Bird et qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui, Mr. Brad Bird. Third prize goes to Guillaume Roger. Second prize goes to Rodrigo Souza for his work. And now, the first prize goes to Emma Shan Sanchez. Interdiction d'avoir les bras plus longs que ses jambes. Donc, voilà. Le lac le plus pur de France. Je peux courir plus vite que toi. Je peux courir plus vite que toi. Je peux courir plus vite que toi. Je te bats. Je suis pas des canards. Salut. Tu veux un truc? J'ai que dalle. Tu veux de la coke? Tu veux de la coke? Attends, j'en ai dans les poches. Tu veux de la coke? C'est le créateur du studio Hardman. Voilà ses gros mythes. J'ai donc bien acheté des chaussettes, mais je n'avais pas vu qu'il n'avait pas enlevé l'antivol. Je ne peux donc pas mettre de chaussettes. On était enfant avec les gens, ils voulaient pas prendre le bus avec nous. T'es content? Plutôt, ouais. Et les gens, ils te font des bisous dans la rue, tout ça. Depuis que t'as le t-shirt, ta vie va mieux. Les gens m'arrêtent, mais je sais pas si c'est pour mon t-shirt ou ma coupe de cheveux en fait. Donc, ouais, c'est ça. Dimanche dernier, mon train a eu 1h50 de retard. Et aujourd'hui, 30 minutes d'avance. 30 minutes d'avance. Je vais arriver à 37, je suis arrivé à 7. Attention, cette publicité est dangereuse. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.